Bon, me v'là. Mon son a de l'air quand même assez fort. Je vais juste essayer de trouver la bonne. Comme ça. Bon. Bonjour tout le monde. Je vais juste aller partager ça sur Facebook. Ce sera pas long. Encore Pokémon Colosseum, c'est censé être Starlink. Bon. C'est ça qu'on a. Bon, c'est tout. Bonsoir tout le monde, c'est Titi Floyd, Saint-Martin, peu importe. Bienvenue à ce premier épisode de Starlink Battle for Atlas sur Nintendo Switch, le nouveau jeu de Ubisoft qui est sorti aujourd'hui même. J'ai commencé à y jouer tantôt un petit peu pour tester les contrôles et tout ça. Ça m'a l'air très prometteur pour l'instant. C'est vraiment un nouveau Star Fox dans le sens que dans la version Switch, on peut jouer avec Fox McCloud. Je me suis procuré la version digitale, c'est-à-dire que j'ai pas les jouets directement sur mon Joy-Con. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec la version digitale, la version digitale vient avec, je pense, c'est 5 personnages. C'est ça. En tout cas, il y a plusieurs personnages, plusieurs vaisseaux, plusieurs armes. Donc, j'ai une panoplie de bonnes choses pour être capable de jouer à ce jeu-là. Fait que je vais commencer une nouvelle game. On va regarder l'intro et tout ça. Puis c'est parti. Pour Starlink Battle for Atlas sur Nintendo Switch. Ah, le chat. Non, le chat. Ce sera pas long, il y a du loading. Regardez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le choix vraiment de jouer soit en mode numérique ou en mode avec les jouets. Quand je parle des jouets, c'est vraiment les vaisseaux, les armes, tout ça qu'on peut changer un petit peu comme les Skylanders faisaient dans le temps. Moi, je vais en mode numérique. Vous voyez, j'ai le choix de 5 personnages, 6, 7, 7 personnages. Moi, bien sûr, je vais prendre Fox McCloud. Et avec Fox vient 5 vaisseaux. On a quand même, je trouve, un bon choix pour commencer le jeu. Moi, c'est sûr que je vais avec le R-Wing. Et de chaque côté, j'ai le droit, avec ma version numérique, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... C'est celle-là, je pense que je peux la prendre. Oui. J'ai 1. Celle-là aussi. Celle-là aussi, celle-là aussi. Vous voyez, de ce côté-là, les 8 armes sont débloquées. Les seules que j'ai pas, c'est les 3 ici. 8, ça veut dire que j'ai 12 armes de disponibles. Vous voyez, je savais même pas que celle-là était disponible tantôt. Foudroyeur.
Ça, je ne l'ai pas essayé. Déchiqueteur, portée, cadence de tir. Dégâts. Ça doit être une genre de mitraillette. Je vais essayer ça, moi. Je vais mettre celui-là. Puis l'autre barre, je vais mettre la mitraillette. Pour l'instant. Ok, donc ça commence. Let's go pour Starlink. Après être entré en contact avec un alien qui s'est écrasé sur la Terre, l'astrophysicien Victor Saint Grant est recruté en secret. A recruté en secret une équipe de pilotes afin d'explorer les étoiles. Il a baptisé l'alien Judge et l'équipe Initiative Starlink. À bord du vaisseau mère alimenté par la Nova. L'équipe débarque dans le système solaire d'Atlas et enquête de réponse sur les origines de Judge. On y est. Atlas, le joyau des Pléiades. Oh, regarde! Bienvenue dans Atlas. Waouh, je vais faire un max de vues avec ma story. Hors de question. Lévi, personne n'est censé être au courant. Mais il est temps que ça change. Chase, Lévi, l'un de vous doit sortir pour aider Hunter avec l'escorte. Ok. Et... l'un de nous, il a dit. Le scan est prêt, Grant. C'est incroyable. J'arrive pas à croire que tu fasses ça depuis un an. Notre troisième voyage. On s'en lasse toujours pas. On était dans Halcyon avant, maintenant Atlas. L'artefact qu'on recherche ici pourrait nous permettre d'atteindre notre but. On est plus proche que jamais. Faites-moi confiance. Alerte de proximité. Notre livraison n'arrive pas seule. Bon. On ouvre grand les oreilles. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Tu as le colis? Ouais, mais ces types n'aiment pas qu'on les détrousse. Ils sont nerveux. J'aurais besoin d'un coup de main. Elle va pas s'en tirer. Fonce vers l'équinoxe, on arrive. Je déploie le pont. Judge. Accompagne Mason en hangar. Gagnez du temps pour que je puisse lancer le moteur. T'en es sûr? Je pourrais t'aider avec le réacteur. Ils n'ont jamais utilisé Starlink. Va leur montrer l'exemple. Prends mon vaisseau. Tu es prêt. Ok. Vous avez vu ça? Ouais, mais c'est pas Wolf, donc on s'en fiche. Ils sont en mauvaise posture! Vous savez à quoi je pense? Hors de question, n'y pense même pas! On est jusqu'ici avec un seul objectif! Le but, c'est d'éliminer! Ah.
J'aurais mieux fait de prendre ma retraite sur Corneria. Les gars, ok, à nous jouer. C'est parti. Ok, Fox, on est assez prêt pour les contacter. Je te connecte. Identifiez-vous. Qui êtes-vous? Ça va? Ici Star Fox. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main contre ces crapules? Non mais d'où ils sortent ces types? En même temps, on aurait bien besoin de vaisseaux en plus. Vous en dites quoi, vous autres? Ils ont l'air plutôt sympathiques. Et on dirait qu'on va tous au même endroit. On n'a peut-être pas vraiment le choix. Ok, on a quelques partenaires en plus. Tiens bon, Shane, on arrive vers toi. Donc, comme je disais tantôt, j'ai commencé une petite game tantôt juste pour essayer de mettre tout au contrôle pour avoir l'air d'un épais, mais je pense qu'on va le jouer. Les contrôles, c'est pas du tout ce qu'on trouve d'habitude dans les jeux de Star Fox. C'est vrai que mon joystick de gauche, quand je vais en avant, j'avance, en arrière, je recule, c'est logique. Mais vraiment, on déplace la vision par le joystick de droite, c'est comme dans un first person shooter. Honnêtement, ça fait ça, c'est bien au contrôle, je les aime. Boum! Prends ça! Ces pilotes de Star Fox savent ce qu'ils font. Merci. Grant, comment ça se passe en bas? Je vais y arriver. Dis-leur de tenir encore quelques minutes. Brèche dans la coque du réacteur. Retournez tous au vaisseau, le réacteur est endommagé. On y va, mais il en reste encore un. Non, Grant. Allez, emmenez-le. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il a filé! Ils ont pris Grant! Quoi? Non! À tous, préparez-vous! On descend! Pilote, répondez-moi. L'équinoxe s'est écrasé. Hein? À tous, appareil au rapport. Je suis en un seul morceau. Vous me recevez? Je répète, l'équinoxe s'est écrasé. Pilote, répondez. Le signal ne passe pas. Toutes ces interférences. Ah, moteur de vol en rade. Je suis sur la réserve. Je dois trouver les autres. Bon, pendant que ça parle plus et qu'il n'y a plus de bout d'histoire, là, vous voyez un petit peu le genre de jeu que c'est. C'est-à-dire un jeu de recherche.
Là, vous voyez, on est sur la planète directement à la surface. C'est vraiment un jeu de recherche un petit peu comme... pas Zelda, mais... c'est-à-dire que à tout bout de champ, il faut que je rentre dans des places. Vous allez voir, j'ai des créatures à scanner aussi. Essayer de compléter un petit peu la faune de la planète en question. Je pense que c'est le genre de jeu que quelqu'un qui veut jouer trop vite va passer à côté de bien des affaires. Est-ce que mon vaisseau? Il était devenu tout rouge. On peut voir aussi les graphiques, même sur le Switch. Super beau. Vous voyez, ils nous disent un petit peu quel genre d'arme qu'il faudrait. Foudroyeur, lance-flamme, on va aller chercher ça. Tac. Donc, lance-flamme, je l'ai ici, je vais le mettre là. Puis de l'autre côté, je vais aller mettre foudroyeur, je pense que je l'ai. Ouais. Non, c'est pas lui. Pas en tout. Allez! C'est lui. Tout? Et ce qui est drôle, c'est que il y a une sorte d'ennemi dans le jeu. Ça s'appelle les kobolds. Ceux qui ont mon âge un petit peu se rappellent du film Labyrinthe avec David Bowie. Puis les petites créatures s'appellent les kobolds. C'est plus drôle. Quoi encore? Analyse de l'ennemi terminée. Volcan, barrage de l'île. On va aller chercher ça. Volcan. On va le mettre là. Puis barrage de givre qui est là. C'est parti. Tu l'auras voulu. Fox, tu t'en es sorti. T'as été le dernier à répondre, mais j'ai pas douté de toi une seule seconde. Pépi, tout le monde va bien? Fox, c'est ça? On est tombé dans un guet-apens. Les assaillants ont kidnappé notre capitaine pendant le combat. Enfin bon, merci pour le coup de main. Bon, on va pas les laisser s'en sortir comme ça. On part à leur poursuite. Impossible. Les vermines qui ont enlevé Grant ont aussi volé notre réacteur. On en a un de rechange, mais sans carburant, on n'ira nulle part. On peut forcément faire quelque chose. Ouais, peut-être. J'ai pu me brancher à leur vaisseau. Regarde sur ta carte. Voilà ton vaisseau. Tu peux voir tout ce qui est à portée de son scanner. Pour l'instant, le reste de la planète n'est pas cartographié. Razor, je détecte un signal extraterrestre près d'ici. Je me demande s'il y a quelqu'un. Ça vaut le coup d'aller voir. Consulte la carte. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais quand on aura exploré les environs, ça nous sera très utile. Ok. Je vais voir ce qui se passe. Prudence. On sait pas ce qui nous attend. Bah, je vais te dire un truc qui s'y trouve, moi. Une réunion de robots super méchants. Oui, on est là que depuis une semaine, mais on en a détruit un paquet. Oh, on peut pas discuter avec ces trucs. C'est rien qu'une bande de parasites. Ouais, qu'ils viennent nous voir. C'est des bonnes cibles d'entraînement. Je vais essayer de trouver. Tantôt, quand je passe par ici, voyons. Il y avait des genres d'animaux. Ouais, celui-là. Wow! Il n'y a rien de semblable sur Corneria. Grant et moi avons monté une base de données grâce à nos contacts dans les Pléiades. Analyse cet animal. Il s'y trouve peut-être. Oui, analyser. Je me le donne pas. Bon. Hey! Donc, ça, je vous disais tantôt, il y a quelques minutes,
c'est vraiment un jeu qu'il faut prendre de temps pour vraiment explorer ce que je pense que... Scan partiel terminé. Scanner plus de spécimens pour compléter le profil ADN. Je vous dis, c'est quelqu'un qui prend pas son temps dans ce jeu-là. Il va sûrement y manquer des choses à la fin du jeu ou bien de l'expérience ou whatever. Scan partiel terminé. Scanner plus de spécimens pour compléter le profil ADN. Bah, ça s'appelle un gridfish. T'approches pas trop, je parie que ça pue la mort, ça. Scan partiel terminé. Scanner plus de spécimens pour compléter le profil ADN. L'ADN complet. Faune identifiée. Je crois qu'on appelle ça un fruit squelette. Appétissant. Vous voyez, c'est pour pas une plante, c'est un parasite. Pour les récupérer, il faut que je le tienne. Puis après ça, il faut que j'aille mettre mes curseurs dans les zones vertes ici. C'est comme ça qu'on récupère les objets avec le Firewing. Là, il y avait une autre sorte d'animal là, pas loin. Celui-là. Là, il est scanné. Scan partiel terminé. Scanner plus de spécimens pour compléter le profil ADN. Ça, c'est un Razorbeak. Honnêtement, j'aime bien ce nom. Et à ce qu'on raconte, leurs cornes valent beaucoup d'argent au marché noir. Base de données Starlink mise à jour. Intéressant aussi, c'est que, comme vous venez de voir tantôt, j'essaie de tirer sur la roche. Vous voyez, regardez ici, c'est du dommage, mais avoir essayé qu'un autre type d'arme, mettons une arme de gel, ça aurait peut-être pas fonctionné. Il y a comme plein de petites choses dans le jeu, c'est vraiment fou. Ok, là je vais arrêter de perdre mon temps. Lui, je l'ai scanné. Lui. Profil ADN complet. Faune identifiée. Bon. Ok, il faut que j'aille par là. Let's go. Le signal provient d'une espèce de bâtiment. Tu crois qu'ils sont sympas? Restons optimistes. Vas-y, on est là si besoin. Si vous avez du mal face à un puissant cyclope, pensez à changer d'arme. Chacun d'entre eux a son point faible. Te revoilà. Attendez, vous n'êtes pas Ticket? Mon assistant n'est jamais là quand on a besoin de lui. Je m'appelle Fox. Je cherche du carburant et je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Désolé. La disparition de mon assistant m'a perturbé. Vous n'auriez pas vu quelqu'un de trapu de type végétal par hasard? Non, mais il y a peut-être un moyen de s'entraider. Mon chat est couché sur ma console. Carlin. Vive avec des chats.
J'ai envoyé Ticket poser une balise. Il l'a mise à côté d'un nid de kobold. Les étoiles... Ouais, ça me convient. C'est gentil de sa part. Atlas est un endroit dangereux. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne rencontre. Ouais, qu'est-ce que vous venez faire dans Atlas, au juste? On est à la recherche d'un certain Wolf. Il a commis pas mal de méfaits chez nous, sur Cornaria. C'est l'heure de régler les comptes. Vous inquiétez pas, quand on aura quitté cette planète, on le débusquera. Et on le fera payer. Là, je vais juste aller voir... Ici, je pense que je vais mettre de quoi, ça c'est quoi ça? Non, t'as pas, c'est pas ça que je voulais faire. Y... Équipé, ça c'est quoi? C'est un... Un booster défensif. Puis là, dans mes armes, il y a de quoi que je peux faire aussi. Modifier arme. Ça, c'est un amplificateur de stabilité. Ah, good! Y a-t-il d'autres que je peux améliorer? Pour l'instant, c'est pour ça que je vous dis que... C'est important de fouiller, bon, vous voyez, ces items-là, j'ai trouvé comment chercher dans les boîtes pis ça. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. Hey, vous dites que c'est un nid de kobold, c'est ça? Des kobolds. De vilaines petites machines. Les plus irritantes de la Légion. À mes yeux, le meilleur moyen de s'en occuper, c'est de les laisser dans leur coin. Mais la combustion serait efficace. Du feu, j'aime cette mentalité. Maintenant qu'on a les équipements de Starlink, on a des tonnes d'options. Essaie le lance-flamme. Je serais rendu à l'île là. Il parlait de combustion, je vais aller me chercher le... celui-là ici. Je vais mettre le volcan là. Peu, je sais pas encore ce à quoi tous les items me servent, tout ça. Que j'ai pas exploré tant que ça tantôt. J'ai juste fait cette planète-là. Je suis parti dans l'espace, j'ai fait une mission, analyse je vais vous arrêter. Faiblesse naturelle identifiée. On va prendre l'annihilateur aussi ou l'imploseur. On va aller voir si j'ai ça. Fait qu'ils ont dit lance-flamme, annihilateur. J'ai l'imploseur. On va prendre celui-là. Il semble bien que je suis arrivé près du nid. C'est donc de là que viennent les kobolds. Cette structure doit les contrôler d'une certaine manière. Maintenant, la fête peut commencer. Viens voir ailleurs. Ok, nid kobold en feu. Ah, c'est magnifique. Plus de nid, plus de kobolds. Voilà ce que j'aime. Il y a de l'électrum qui vous attend, comme promis. Oh, en fait, notre vaisseau a besoin de Nova. De la Nova? D'où venez-vous comme ça? Pour la plupart d'entre nous, on vient de la planète Terre. Ma planète s'appelle Papetoon. Le seul moyen de trouver de la Nova, c'est d'obtenir le noyau d'un extracteur. Mais il devrait s'afficher sur la carte. On s'assuait là-dedans. Ok. Carte stellaire. Intéressant. Maintenant qu'on a aidé cet observatoire, on a une meilleure visibilité sur cette planète. Voilà un extracteur de la Légion. On tient notre cible.
Attention, les extracteurs sont des machines de la Légion. Autrefois, elles étaient faciles à démanteler. Mais depuis le réveil, ils se défendent très efficacement. Mais vous semblez assez désespéré, compétent. Apportez-moi le noyau et ce sera bon. Grosse tempête, droit devant. Ah oui, l'extracteur doit être à l'intérieur. Base de données Starlink mise à jour. Analyse de l'ennemi terminée. Je pense que c'est ça que j'ai déjà. Recommandé. Bon. Que... Tantôt, je l'ai battu celui-là, vous allez voir qu'il wow. est quand même le fun c'était à battre. C'était l'idée de qui, au fait? On n'a rien pu trouver d'autre. Vous allez devoir cibler les nodos en périphérie. Visez d'abord les batteries rouges. Une fois détruites, le noyau de l'extracteur sera exposé. Ils disent le lance-flamme, mais moi j'aime mieux le... Le volcan. Ça y est, les nodos sont désactivés. C'est le moment d'attaquer l'extracteur. N'oubliez pas d'esquiver ces lasers. L'extracteur. Le fun dans le jeu, là, mais overall, je trouve que le jeu est vraiment le fun. Cible détruite! Bien! Maintenant, prends le noyau et file en vitesse. Le noyau se trouve au centre de l'extracteur. Attrapez-le fermement et tirez, mais pas trop fort. C'est bon. Interstellaire. La Nova est si rare, vos talents pourraient vous rapporter une fortune. Je comprends pas. On peut pas créer plus de Nova? Si seulement. Hélas, même si l'électrum ne manque pas, personne ne sait comment le raffiner. Alors, la seule source de Nova se trouve à l'intérieur de ces machines. Et tout le monde n'a pas votre courage, vous savez. Ah, je me demande si Grant est au courant de tout ça. Comment ça? Notre capitaine, Saint Grant. Il sait créer de la Nova. Votre capitaine sait créer de la Nova? 1000 étoiles! Il fallait le dire! Un tel savoir pourrait transfigurer tout le système. Mais il a disparu? C'est pour ça qu'on est là. Je vois, c'est fascinant. Ok, ça récupère ça, on va faire un peu de ça, je pense. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, il y en avait juste 5, donc là je vais retourner porter le noyau que je viens d'extraire.
moins la hauteur de cette tour. J'ai le sentiment qu'on ignore beaucoup de choses sur Atlas. Bon sang, cette arme n'a aucun effet. On prend un pouvoir de glace pour allumer ça. Ces énigmes des gardiens sont complexes. Est-ce que tu as d'autres armes à essayer? Bouger en même temps. C'est quoi ça? J'ai pas vu ça dans le temps. Base de données Starlink mise à jour. Souvent, là, ça je veux dire. Ok, là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller. C'est un mur invisible, je peux pas passer là. Ah, je peux passer là. Ok, let's go. Ah, c'était là-dedans. Ça, ça sent plus à plus. Bon sang, cette arme n'a aucun effet.
susceptible d'être plus facilement accessible avec une arme de glace. Arme de glace. Le jeu. Je sais pas si j'hallucine, on dirait que. Parce que tantôt, j'ai joué un petit peu. J'ai mis là-dedans, pis c'était pas tout à fait pareil. Je sais pas si j'ai mal à l'autre, pis. C'est pas des trucs qui sont générés de façon aléatoire. Voilà. Ok, voilà le noyau. Magnifique. L'extraction de la Nova ne devrait prendre qu'un instant. Il faut que je prévoie un remplacement. Hein? Vous avez un capitaine à retrouver, n'est-ce pas? Et un capitaine qui s'est créé de la Nova. Un expert pourrait être très utile à votre équipage, et je sais même me battre. C'est pas mon équipage. Faudra leur demander. Peut-être que ça les intéressera. Je sais pas. Alors, un congé sabbatique s'impose. Je vous retrouve là-bas. Il me reste à retrouver ce maudit assistant. Vous nous confondez avec un autre avant-poste? Ou bien vous souffrez de folie spatiale? Cette amélioration va accroître notre visibilité. Salut. Je vous ai trouvé de la Nova. Je rentre au bercail. Bon travail. À plus. Dis donc, ils sont trop bons, leurs casse-croûtes. Et là, je pense que j'ai plein d'améliorations que je peux mettre sur mes armes. Aussi, vaisseau et armes. Celui-là me fait perdre 10 de défense, puis rien d'autre, il booste rien, sinon je mettrai pas ça. Plus 20 cadence de tir, sinon ici j'ai plus 25, alors lui vaut bien plus la peine, puis ça et 7. Ça, puis si je vais dans le. Ça va être lui aussi. Ah, je prends lui. Ok. Salut!
je vous ai trouvé de la Nova. Je rentre au bercail. Bon travail. À plus. Dis donc. Mais ils sont trop bons, leurs casse-croûtes. Hé, hey, arrête de t'empiffrer comme ça. Tu vas avoir un coup de barre. On doit tous rester au taquet si on veut attraper Wolf. J'y suis presque. Bien. Quand on aura chargé la Nova, on pourra partir. Ensuite, on trouve Grant. Exact. Ouais. Sauf s'il est... vous avez... Lévi, mais enfin! Bah quoi? J'espère que non. Mais bon... N'ayez crainte, c'est notre capitaine. On va le sauver. Wow. Y a rien de semblable sur Corneria. Essaye tes scanners d'ADN sur cet animal. Je pourrais chercher sa séquence dans la base de données que Grant nous a bricolée. Profil ADN complet. Faune identifiée. On va enfin décoller de cette planète-là. Je suis là. Comment je transfère le carburant ? Ouvre l'ordi de ton vaisseau. Tu pourras lancer la séquence de réparation depuis l'écran de l'Equinox. Brique de mode. Je comprends Super. Pas tout encore là, mais si on trouve de la bonne marchandise, faudrait peut-être essayer d'autres améliorations pour l'Equinox. En attendant, on va voir si ça marche. C'était un tir de précision. Ils ont détecté le noyau à travers la coque. Ouais, cette quantité de Nova attire forcément l'attention, c'est logique. Mais si les calculs de Mason sont corrects, ça devrait déjà nous suffire pour décoller. Ouais, on pourrait être vaporisé totalement. Vas-y, Chase! Fonctionnalité de vol rétablie. Cool. Ok, tes moteurs de vol sont rétablis. Bonne chance dans tes recherches, Fox. Pas si vite. J'ai réfléchi à ce que Mason nous a dit là-bas. On devrait collaborer. Quelque chose me dit qu'on va avoir besoin de renforts, et c'est valable pour vous aussi. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais. Je pense que c'est une très bonne idée. On en reparle à l'Equinox. En fait, une fois que t'y seras, j'aimerais jeter un coup d'œil à ton vaisseau par moi-même. Ok, donc, moi je vous dirais, une des particularités de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas d'écran de loading ou à peu près pas dans le jeu, là. Alors, regardez bien ça. En passant, pendant qu'il parlait, là, je viens de vérifier, puis YouTube vient de revenir. Donc, au moins ça, c'est le fun. Là, regardez bien ça, si je passe sur R... Je recommence à voler. Et on se dirige dans l'espace.
Une autre affaire que j'aime aussi, c'est le petit modèle de Fox qui est en bas à droite de l'écran, là. Base de données Starlink mise à jour. J'ai attendu depuis si longtemps. J'ai prévu cet instant il y a bien des années. Les gardiens me l'avaient montré et voici le don. Il est temps de lancer la récolte de la Nova. La Nova? Quand les dieux gardiens sont partis il y a si longtemps, ils ont emporté les secrets de la Nova. Tu dois alimenter ma légion. Très bien, vous voulez la Nova, pas de problème. Mais d'abord, je dois retrouver mon équipage. Ton équipage n'est plus. Tu me montreras comment créer de la Nova. Et tu t'inclineras devant ton gardien. Merci, Judge. Opérationnel. Wow! Cette technologie Starlink est top! Ça nous donnera l'avantage contre Wolf. C'est le moins qu'on puisse faire. Bonne chance. À nous de jouer, les gars! À plus tard. J'ai des contacts. Ils ont peut-être vu les ravisseurs. On devrait leur demander. Moi, je me fie qu'à ces trucs-là. La Légion suit une hiérarchie, donc elle obéit aux ordres d'en haut. On n'a qu'à en ouvrir d'autres et remonter la piste. C'est pas très diplomatique, mais ça pourrait... marcher. Bah qu'est-ce qu'on attend? Allez, en route! Wow. Un truc. Ouvre l'ordinateur de ton vaisseau. Lorsqu'on gagne des points de compétence avec une arme ou un vaisseau, on peut les échanger ici pour des aptitudes et des avantages au combat. Good. Là, j'ai-tu d'autres choses que je peux améliorer? Collection, c'est quoi ça? Merci, c'est bon à savoir. Je disais, les kobolds sur Kirith et les Drake qui ont agressé Shade font partie de la Légion. Donc la Légion est forcément impliquée dans l'enlèvement de Grant. Intéressant comme théorie, car d'après nos études, les unités de la Légion ne sont pas douées d'intelligence. Ce qui veut dire que quelqu'un les contrôle. Maintenant, reste à savoir qui. Wow. On dirait ce prospecteur Daven. Un vieux fou qui passait son temps à radoter sur la hiérarchie de la Légion. Parfait. Allons lui parler. Oula, attendez. Je voulais dire que vous êtes aussi fou que lui. Les humains comprennent pas les analogies ou quoi? J'ai vu ceux qui ont enlevé Grant. Et c'était pas des robots. Si ce type a une théorie là-dessus, alors écoutons-le. Bon. D'accord. Si vous voulez parler à Ellie, allez-y. Mais je vous préviens, c'est pas quelqu'un de très agréable.
c'est pas seulement quand il te parle, t'es sûr? Ah, donc on a de l'humour ici. C'est bon à savoir. Ah, dernière chose. Ton hyperespace est rétabli. Tâche de pas percuter d'astéroïdes. On croule pas sous les pièces détachées. Super. Merci, Raizor. C'est fou ce que tout dans le jeu se fait en temps réel. C'est-à-dire que même l'hyperespace, je fais juste appuyer sur un bouton, je pèse, tombe dans le mode normal. Alerte. Piège hyperspatial hors la loi en approche. Je les ai dans mon viseur. Base de données Starlink mise à jour. Repliez-vous tous. T'es où? J'ai repéré une épave près de toi. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Qu'est-ce que t'en penses? Checker partout, c'est ça que je veux dire. On s'en va s'en faire. Drake détecté. Hyperespace interrompu. Ils poursuivent quelqu'un. Sage, parlons à ce pilote. Fréquence ouverte. Tout va bien? Direct, ça descendit. Dégage avant que je te dégage. T'as une drôle de façon de remercier les gens. Qu'est-ce que t'en sais, mon naze? J'attire peut-être la Légion dans un piège. Mais bon, tant que t'es là, je vais te laisser leur tirer dessus. Ouais, bien sûr. Ah, c'est pas bon! Là, vous voyez, c'est ça qui se passe quand notre vaisseau se fait détruire. En réalité, moi, vu que j'ai d'autres vaisseaux à ma disponibilité, je peux juste en sélectionner un autre comme ça, puis je reviens dans le combat. Sinon, ce qui est arrivé, c'est que je pense que j'aurais recommencé du dernier save. Ennemi abattu! Ah, rien de mieux qu'un bon combat pour un petit coup de fouet. Bon, tu te débrouilles, même si ton vaisseau fait peine à voir. Nos vaisseaux font la même taille. C'est pas ton fort, les maths, hein? Ah, bel esprit! Ça me plaît. On se recroisera peut-être. Ce type n'apporte que des ennuis. T'as de la chance. Les hors-la-loi ont une seule règle. On tire d'abord. Point. Mince! Cet endroit a l'air super dangereux. C'est ça, Atlas. Notre espace renferme des tas de trésors et d'épaves. Si ça vaut le coup de les piller, ça vaut le coup de se battre. Pourquoi tu crois que les Drake s'en sont pris à moi? En effet. Nous, les membres de l'expédition, nous restons dans nos puits gravitationnels. Même les prospecteurs vont rarement dans l'espace ces temps-ci. Ben voilà. Même Grandeuf a de la ressource. Tu vois, on n'a aucun autre choix pour survivre. Ok.
Je suis arrivé sur Haven. Je dois aller où ? C'est une vieille raffinerie. Elle devrait pas être loin d'une rivière. Bien reçu. Dis, Shade, tu le connais depuis longtemps, ce mec ? Surtout, le prends pas mal, mais t'as pas l'air du genre à te faire beaucoup d'amis. Eh, j'ai jamais dit qu'on était amis. On s'est rencontrés quand il était encore chasseur de primes. C'était l'un des meilleurs chasseurs du coin. Comment ça ? Ellie a genre 300 ans. Il en a beaucoup trop vu et plus rien doit avoir de sens pour lui. Tout le temps en train de marmonner que les Krakenas dirigent le monde ou je sais pas quoi. Un jour, il a fait ses valises et a construit sa petite retraite. On dirait moi. Au début du projet Starlink, j'ai cherché des financements partout. Mais tout le monde croyait que j'étais fou. Ah ça, le débat est ouvert. On dirait une espèce de grosse carabée noire là. Où c'est moi ? On dirait bien une raffinerie. Plus. Ici, c'est une propriété privée. Alors vous allez décamper d'ici avant de faire une autre erreur. Doucement, je veux juste te parler. C'est Shade qui m'envoie. Shade ? Cette sale peste n'écoutait jamais rien de ce que je disais. Ça ne m'étonne pas. Écoutez, j'ai juste quelques questions et je vous laisse tranquille. Ah. Bon, voilà ce que je propose. J'ai pas pour habitude qu'on se paie ma tête. Alors si vous voulez que je joue le jeu, va falloir que j'y gagne quelque chose. Ma raffinerie a ratissé la zone pour récupérer des minéraux. Mais ils nous ont... Pas de problème. C'est trop cool. On a un nouveau pote alien pour nous aider. N'oubliez pas pourquoi on est là. Les amis, c'est bien. Les infos, c'est mieux. Ok, là, je peux encore me tuer mon vaisseau. Je vais essayer de... faire de quoi d'intelligent, ça... Ah non, mais c'est parce que c'est pas mon... C'est pas mon R-Wing, ça. Je vais juste essayer de changer mon vaisseau. Thank you.
se lier à lier. Lier elle. Ok. Ça se refroidit. C'est brillant qui fait la moitié de la taille de votre vaisseau. Prenez-en un morceau et rapportez-le. C'est fou parce que des fois, là, si mes yeux ferment pendant 2 secondes, puis je me ramasse dans un mur. Il faut vraiment que j'arrête de piquer des clous, c'est bon. Voilà.
base de données Starlink mise à jour. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Cette raffinerie produit de l'électrum en masse. Comme vous m'avez rendu service, je vais vous donner un peu d'électrum de temps en temps. Bon, alors voilà. Vous voulez que je vous parle des souterrains, des créatures qui se baladent là-dessous, de nos ennemis à plumes derrière les masques. C'est à peu près ça. J'aide des amis à retrouver leur capitaine. Il a été capturé. On pense que c'est le chef de la Légion le responsable. J'en doute. Grax a horreur de montrer son visage. Alors c'est son nom. C'est lui qui a envoyé ces Drake ? Ce sont ses yeux et ses oreilles. Grax ne serait pas venu s'il n'avait pas repéré quelque chose d'unique. Je crois que vous avez attisé sa curiosité. Et si vous alliez voir un peu par vous-même ? Ah, boy. Je sens que ce jeu-là va être long, mais long, mais long. On trouve très peu de Nova, et encore, à condition de se battre. Mais si vous apportez un noyau d'extracteur à la raffinerie, on vous extraira la Nova qu'il contient. Ok, puis là, et de 1, je vais aller rechercher mon A-Wing parce que là, je viens de le réparer. Modifier le vaisseau. Vient de s'écraser ici, pirater son noyau pour avoir une idée de la manière dont communiquent Grax et la Légion. Dites-moi ce que vous trouvez. Je m'en occupe. Ah oui, je prends ton shield un peu.
Cette arme n'a aucun effet. Ça. Ben de la canon. Feu là! Merci d'avoir récupéré ce site. Fouillez le secteur, il reste peut-être quelque chose. Je me rapproche du site. Les infos que vous cherchez sont à l'intérieur. Vous devez donc le pirater. Mais restez bien à côté, sinon le piratage va s'arrêter. Bonne chance. Décryptage des données en cours. Alerte. Renfort de la Légion en approche. Arrive que je me lève tôt aussi le matin pour aller voir que mon alerte, renfort de la Légion arrivé. Très bien, c'est fini. Les données sont un peu brouillées, mais j'ai bien accès au SOS. C'est noté. Vous pensez que ça pourrait être ce Grax? Ça doit être un nom lourd à porter. Vous donnez trop de crédit à Ellie. Je pense qu'il croit que Grax contrôle vraiment la Légion. C'est-à-dire le véritable Grax. Désolé, mais j'ai pas tout compris. C'est quoi un Grax? Ah, une créature redoutable. D'après la légende, il est né il y a des siècles dans un tombeau oublié. Ou bien il vit sur le soleil avec les anciens gardiens. Ça dépend des versions. Ah, donc c'est le gros méchant, mais dans la vraie vie. Ok. C'est juste une vieille légende d'Orla-Loi. Faut pas s'inquiéter. Profil ADN complet. Faune identifiée. Skeeter Tusk. Ah, ça c'est un Skeeter Tusk.
Il est mignon et tout brillant. Apparemment, ils produisent une douce odeur avec leurs antennes. La transition de météo est écœurante. Regardez, là-bas. C'est une flèche des gardiens. Un vestige d'une époque oubliée qui recèlerait de précieux trésors. Mais il faut de l'audace pour y aller. En revanche, elles sont inactives depuis des siècles. Mais elles restent bien défendues. Donc, si je comprends bien, l'armée de la Légion est contrôlée par une vieille tour ? C'est là que mène le signal. La flèche réagit à mon arme. Je devrais peut-être en essayer une autre, pour voir. Arme des glaces, je vais prendre celle-là. Ça s'ouvre. Fascinant. Je capte un signal très faible. Imagine les données que nous pourrions extraire en alimentant les autres flèches. Pour l'instant, prends ce qu'il y a dedans, histoire qu'on l'examine. 1000 étoiles. C'est une technologie des gardiens. Une modification jadis utilisée pour spécialiser leur vaisseau. Cool. Je me demande si ça marchera sur mon Arwing. Moi, je pense bien que oui. Les modes qu'on récupère s'affichent ici. Tu peux t'en servir pour booster ton vaisseau et personnaliser tes armes. Mais oui, je pense qu'on peut l'intégrer sans problème à nos vaisseaux. Parfait. Et pour le signal alors ? C'est clair que le Drake a contacté la flèche. Mais je sais pas où est parti le signal ensuite. Pour l'instant, on doit retourner à la raffinerie pour dire à Ellie ce qu'on a trouvé. Trésor, j'ai remarqué quelque chose concernant la flèche des gardiens. Elle émet la même signature que la relique de Grant. Celle que Shade a trouvée ? Alors, ça veut dire que Grant étudiait la technologie des gardiens. C'est ce que je pense. J'en conclus que la relique est un élément du réseau de communication de la Légion. En décodant le signal, on devrait pouvoir intercepter les transmissions de la Légion. Et on saura où ils ont emmené Grant. Judge, t'es un génie! Et comment on décode ça? Ce genre d'analyse réclame une puissance de calcul colossale. Mais cela est possible. Nous aurons besoin d'électrum, de beaucoup d'électrum. Dans ce cas, il faut rejoindre la raffinerie. Le prospecteur devrait pouvoir nous aider. On dirait qu'on n'a pas tout récupéré sur le site du crash. J'ai ajouté un objectif à ton compteur. Jette-y un coup d'œil. Bon, là je pense que, regardez là, je combats le sommeil depuis tantôt là, mais faut pas que non plus je passe tout de suite, il est déjà quasiment minuit, dans 20 minutes.
Là, ça fait quand même... combien de temps que je joue? C'est quand même 1h32 selon mon Elgato. Fait que je pense que c'est déjà quand même pas mal long. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée tout le monde. On va se retrouver demain. Je vais sûrement le continuer demain soir un petit peu. J'adore vraiment ce jeu-là. Ben, même si je pique des clous et tout ça, là, c'est vraiment parce que je me lève tôt le matin. D'ailleurs, demain matin, je vais me relever tôt encore pour aller vous montrer les nouveautés dans Pokémon Go. La Gen 4 est arrivée. Les Pokémon ont commencé à spawner. J'en ai plein déjà de la génération 4. Fait que je vais vous mettre ça à jour demain matin. Mais là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. On se retrouve demain, l'épisode numéro 2 de Starlink. Bye tout le monde, à demain.